Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Donc aujourd'hui c'est un nouveau jeu de Play-Doh, donc un jeu de pâte à modeler. Donc vraiment un truc assez fou parce que c'est un dentiste mais qui est un singe en fait. Et donc n'hésitez pas, donc c'est pour les enfants de plus de 3 ans. Donc c'est de la marque Play-Doh. Play-Go, pardon. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble quand on y joue. Donc voilà tous les instruments pour être le dentiste. Et donc là, voilà, on a les différentes possibilités de faire pour les dents. Donc on peut faire pas mal de choses. C'est vraiment cool. Donc on a 4 couleurs. Donc noir, blanc, jaune et marron. Voilà, voilà. Donc là on a tous les différents outils, on peut fermer la bouche du singe, voilà, il a la tête est fixée sur un corps que l'on peut détacher, tout ça, donc voilà, tout ça c'est de la marque donc Play-Go, je le rappelle. Donc là on a nos différents moules, enfin tous pour faire des dents, donc on va regarder sur le derrière de la boîte. Et donc voilà, on assiste donc à une opération dentaire. Donc voilà, on a différentes pièces qu'on contient le jeu. Donc on peut aussi mélanger les pâtes à modeler pour obtenir de nouvelles couleurs. Voilà, pareil, on a différents exemples. Et c'est pour les enfants donc, de plus de 3 ans. On ouvre ça et puis on va voir tout. Enfin, on va regarder tout ça ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a là? Donc là, ici, on a tout ce qu'il faut donc pour le dentiste, je crois, c'est la mallette. Voilà notre petite mallette de docteur. On peut l'ouvrir et ce qu'on voit à l'intérieur, donc voilà, on a tous les outils nécessaires pour le dentiste. Donc voilà. Donc voilà, on a de quoi faire les dents. Ici, les instruments pour mettre les dents, pour les arracher, pour garder le petit miroir pour regarder bon, bah, si tout va. Donc voilà. Donc là, on a un petit scalpel. Donc voilà. Donc on a ça. Là, il nous faut aussi des piles hein, pour pour cet instrument. Donc vraiment super. On peut même, oups, on peut tout rassembler, tout fermer ensemble. Donc c'est pratique pour si on doit le transporter. On peut, c'est vraiment, ouais, super cool. Et là, bien sûr, on a notre singe. Donc ça, c'est très important. Donc là, il n'a pas de dents pour l'instant. Donc ça va être à nous de les mettre. Donc il y a juste la langue. 7, 8, 8. Il y a en fait 16 dents. Donc en tout, 8 en bas, 8 en haut. Donc là, bien sûr, y a ce qu'il faut pour fixer la tête bah, au reste du corps, qui est là. Donc on va le sortir dès que possible. Voilà, voilà. Et là, on va pouvoir mettre la tête. Et voilà. Donc voilà, on a notre singe qui est prêt. Après, on a nos 4 pots de pâte à modeler, bien sûr. Les instructions. Et voilà. Évidemment. Voilà, voilà. Ensuite, on peut ouvrir tout ça pour sortir la pâte à modeler.
va essayer de l'ouvrir. Donc, on va peut-être y arriver. Peut-être qu'il va me falloir des ciseaux. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Ça a une odeur un peu sucrée. Un peu, ouais, comme la banane. C'est super, ça. Ben, bien sûr, faut pas le manger, hein, par contre. Voilà, voilà. Pour ça. Donc, voilà pour la pâte à modeler jaune. En ce qui concerne la noire, on va prendre aussi les ciseaux parce que ce sera plus facile. Donc, voilà notre pâte à modeler noire. Elle sent bon aussi, hein. Voilà, donc ici on a dessiné dessus, on a un petit oiseau dessiné dessus. Ensuite, donc on a une petite maison sur le couvercle. Voilà, voilà, donc voilà, franchement, elles sont vraiment super bon, hein, les pâtes à modeler. Attention à ne pas les manger. Et enfin, la pâte à modeler numéro 4, donc c'est la pâte à modeler blanche. On va sortir du pot. Et alors, ça sent super bon aussi, hein. C'est aussi très moelleux. On va pouvoir tester tout ça dans une autre vidéo, hein. Je vous propose de faire ça. Voilà, donc c'était notre dentiste pour singe de chez la marque Plego. Donc bien sûr, je vous propose de faire une vidéo qui va suivre sur le test. Donc on va tester tout ça. Je pense que ça va être sympa. Donc là, on a besoin de piles encore aussi pour ça. Puis on va faire opérer donc notre singe une prochaine fois. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire. Regardez nos autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.